Comme tous les ans, de nombreuses familles envoient des cartes de vœux à leurs proches pour leur souhaiter de douces fêtes de fin d'année et une très belle année à venir. La famille princière de Monaco ne loupe jamais cette tradition. Ainsi, Albert et Charlène de Monaco ont dévoilé leur carte de vœux 2019. Sans grand étonnement, si est-il leur jumeau de 5 ans, qui occupe une très grande place. En effet, contrairement aux précédentes années, les Grimaldi n'ont pas choisi une photo de famille. Seuls Jacques et Gabriella de Monaco font la une de cette carte de vœux. Sous le monogramme princier de leurs parents, les jumeaux ont pris la pose, au pied d'un énorme sapin de Noël, entouré de nombreux cadeaux. Si Jacques se tient parfaitement avec le dos droit et les mains sur les genoux, sa sœur ne semble pas avoir encore bien retenu la consigne. Dans sa jolie robe rouge, elle a opté pour une posture beaucoup moins conventionnelle et plus détendue. À l'intérieur de la carte, les fans du couple princier seront ravis de découvrir une photo de famille. Seulement, il s'agit du portrait de famille qui avait été utilisé sur la carte de vœux de l'an dernier. De quoi laisser une petite déception, même si le cliché est parfait. Enfin, comme il est coutume de le faire, le couple a écrit un message rempli de bienveillance et d'amour. Albert et Charlène de Monaco aiment les fêtes de Noël, que la paix et la joie de ces fêtes soient avec vous tous les jours de l'année nouvelle. Nous vous souhaitons un heureux Noël et une merveilleuse année 2020, est-il inscrit dans la carte, signée par le prince et son épouse. Durant tout le mois de décembre, les amoureux ont multiplié les distributions de cadeaux pour que même les plus démunis ressentent, le temps d'un instant, l'esprit de Noël. Pour le prince de Monaco et sa femme, si est-il une période dans l'année qui est très importante. I think.